Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je vous montre une vidéo encore une fois sur Call of Duty Black Ops 2, mais cette fois-ci c'est pour montrer comment s'entraîner au sniper facilement. Donc attendez, je fais les réglages, c'était pas prévu. Il faut que je les fasse. Donc c'est un nouveau profil. Donc multijoueur, donc local, ça sera avec des bots. Donc, tout va se faire dans les réglages. Alors, vous allez là-dedans, vous allez dans match à mort par équipe, donc MME. Règles. Donc ça, vous mettez illimité, vous en foutez. Tac. Sans les dégâts. Vous mettez 30 comme en hardcore. Là, vous mettez 17. Et là, vous allez dans armes principales. Vous enlevez toutes les mitraillettes. Donc, vous cochez toutes les mitraillettes. En fait, toutes les armes que vous allez cocher, c'est toutes les armes qui ne vont pas être dans la partie. Donc, moi personnellement, j'enlève le SVU et l'XPR50, je laisse le balista et le DSR. Donc là, hop, j'enlève toutes les armes de poing. Perso, j'enlève toutes les grenades. Tac. Voilà. Après, grand conseil, supprimer les classes déjà préparé, vous appuyez sur X et après donc ça fait option de la classe et vous faites effacer l'équipement. Sinon les bots vont pouvoir prendre les mitraillettes qu'il y a dans les armes déjà préparées, quoi, dans les classes déjà préparées. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, créer vos classes directement là-dedans. Comme ça va être fait. Donc personnellement je vais jouer avec un silencieux. Bon là je vais vite fait parce que là, il n'y a rien d'important quoi là, donc... Voilà, je pense qu'on est prêt. Il reste plus que les bots. Bots ennemis. Tac, un en allié. Vétéran. Voilà. Donc après, là-dedans. Et voilà, on peut commencer la partie. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop vite pour vous. Si j'y étais trop vite, vous pouvez appuyer sur pause à chaque fois pour pouvoir voir chaque étape. Pour les réglages. Et une fois que vous avez fait vos réglages, c'est simple. Vous avez juste à prendre votre classe. Donc, personnellement, c'est la classe agent. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à vous entraîner au sniper avec des boss qui sont au couteau ou au sniper. Ah, c'est vous qui voyez. Personnellement, je vais mettre en sensi 12. Pour moi, c'est la meilleure sensi. Après, voilà quoi. Pas de sensi. Ça va aller. Bon, je suis pas un super bon niveau au sniper non plus, hein, donc je prends non plus une balle. J'ai un petit niveau, mais pas non plus taper GM. Oh là, je l'ai même pas vu, ça s'est réglé. Et après, vous pouvez vous entraîner à tirer sur les ennemis. Quoi. Moi ce que je vous conseille c'est alors tout d'abord pour commencer au snipe prendre la mire ou la COG, bon là je l'ai pas mis, et prendre le temps de viser comme là je suis en train de faire. On va prendre le temps de viser. Et c'est quoi? Je sais pas. Vous voyez, je suis pas très très bon non plus au sniper quoi. Ah, il tue tout le monde sauf ceux qui sont à côté de moi. Quoi. Ah, t'as peur, toi, maintenant. Pour ça, la personne qui a pris un sniper, donc. Là, ça peut aller, quoi. Hop, 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 hop. Je prends la lutte un petit peu. Un drone. Bon, j'essaie de. Bouger un peu.
moi je vous conseille le Ballista, parce que c'est plus simple à maîtriser. Ouais. Parce que le DSR, vous allez voir, il est très très lent par rapport au Ballista. D'accord. Mais d'où est-ce qu'il me pète comme ça, lui? Quand tu crèves. Il est bien le DSR, je trouve, pour viser plus loin et tout. Mais... ça va aller. Oui, je galère plus avec le DSR qu'avec le Ballista. Mais je vous rappelle, au début, quand je jouais au sniper, j'utilisais toujours le DSR, parce qu'il est plus simple à manipuler pour, bon, entre parenthèses, les débutants, quoi. Après, quand vous commencez à être habitué, vous pouvez prendre le Ballista, parce qu'il est plus, plus maniable. On en attend d'or. Faut voir, c'est très simple de les avoir quand ils sont trop tôt. Ça, je vous conseille de commencer comme ça, quoi. Non, il est avec moi, lui. C'est un chien. Donc voilà. Oh, avec son premier sniper. Il voyait qu'il se faisait trop. Okay. Il voyait qu'il se faisait trop tuer trop facilement, du coup, là, il s'en dit, tiens. Il s'est pris dans la gueule, lui. Donc je ferai aussi beaucoup de vidéos avec un ami à moi. Donc voilà. Que ce soit deux, ok. Que ce soit deux Call of, deux GTA, de Battle Block. Parce que je vais faire des vidéos de Battle Block, malgré que c'est un vieux jeu que tout le monde critique, que tout le monde déteste. Battle Block, je trouve que c'est un bon jeu. Plus vu que je l'ai eu gratuitement. Du coup, bah. Un sniper. Du coup, voilà. Et du coup je vais faire un peu de tout, quoi. C'est pas une chaîne spéciale GTA, spéciale CAF, non, moi c'est une chaîne un peu de tout, quoi. C'est non, je joue un petit peu tous les jeux. Donc, Oh. J'ai tué le mauvais, quoi. Oh, du coup... voilà, je vais prendre la COG. Ok, j'ai même pas le temps de vous montrer avec la COG, super. Ok. Je vais voir comment il m'a tué. On se marre. Ok, j'ai même pas le temps de faire la moitié du tour que le match a buté, mais... Mais ils sont combien là? C'était au moins 6 sur moi, normal. Putain, il passe à côté de mon pote, mais non, c'est moi qui veux. Y'a pas à chier, c'est moi qui veux. Sur quoi toi? Viens. Comme vous pouvez voir, je suis pas vraiment balèze, quoi, snap. Un niveau vraiment de gamer, voilà. Oh mais non, c'est pas possible. Voilà, bref. Ok, le mec est dans mon viseur, je tirais pas mort, normal. Bref, voilà. Oui, donc cette vidéo va peut-être être un peu ennuyant, mais c'est surtout pour vous montrer une technique qui va vachement aider pour jouer sniper dans Call of. Après, chacun nos techniques personnelles. Pas l'idée de monter sur la table et de enfin monter sur la voiture et de me tuer, non, c'est pas venir sur l'idée. Putain, je me fais défoncer.
Ok. Le mec m'a strictement défoncé. Wow. Ah là là là. Donc ouais, donc c'est surtout pour vous montrer à Fosnack comment s'entraîner. Ok, je le vise, il crève pas, je monoscope, il crève, d'accord. C'est comme je viens de le faire, faut prendre son temps pour viser, ça c'est au début. Oh, j'aurais pu faire une triple. Dégoûté. Bref. 133, 55, ça va. 51 plutôt. Ça va, je suis combien? Tiens, hop. Ok, très bien. Bim bada bim. Oh là là, j'arrive pas à être au-dessus du drone quoi, c'est pas possible. En bref. Ça comme snipe, un snipe normal, ok. Ah, j'aime pas les snipes avec zoom. Ça combien là? Oh là là, lui il voulait m'avoir, lui là il était motivé pour m'avoir quoi. Non, il était motivé, lui il dit oui je vais l'avoir, pas le louper, bah ouais. Oh, trop tard la réflexe. Trop tard. Donc voilà, c'est un petit mode de jeu qui est plutôt sympa pour pouvoir s'entraîner au sniper. Après vous pouvez mettre petit à petit des armes pas trop cheatées quoi, pas style batteuse ou quoi que ce soit, mais mettre des petites armes petit à petit, c'est-à-dire mettre des pistolets, après les bêtes leur mettre des petites mitraillettes, quoi, voilà. Vraiment y aller progressivement. Sinon vous n'allez jamais y arriver. C'est comme ça que j'ai appris, après vous faites comme vous voulez. C'est une technique que j'ai comme ça après, voilà. Confirmé. Un de moins. Ok, très bien. On est déjà à 13 minutes de vidéo. Une à deux minutes encore. Oh là là, magnifique. Oh là là, lui, tu sais, il m'attendait dans le coin. Énorme. Tireur isolé. Ok, d'accord, je me suis fait piquer. Très bien. Super sympa. Bon, on va essayer de finir par un 3-6. Alors, ça, c'est un gros coup de chance. Et alors, ça, c'est pas facile. Putain, c'est pas moi la killcam. Enfin, l'enfoiré, c'est mon pote. Bon bah voilà. Alors c'est bon, c'est moi. Nickel. Voilà, nickel. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé pour vous entraîner au sniper. Après c'est une solution, après vous. Chacun sa technique, moi c'est comme ça que j'ai appris, après vous c'est. Ce qu'on voulait, enfin voilà. Chacun sa technique. Bon bah allez, salut, à plus.